Bonjour, aujourd'hui je viens de recevoir le clavier Complete Control de chez Native Instruments que j'ai commandé sur le site de Thomann pour 177€. Voilà, bon, c'était un très très bon rapport qualité-prix. C'est ce qu'on va voir maintenant dans le unboxing. Le A49, donc clavier MIDI 49 touches. Voici le petit bébé. Ah, ça y est. Je vous présente la bébête. Avec ses boutons de fonction, ses potards. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 potards plus le gros ici. Un bouton pour enregistrer play, rec, stop. Tempo, métronome, loop, trop bien. Preset, plus, moins, à droite, à gauche. Ici, on a la commande Shift, Undo, Quantify, ah, ça c'est trop bien. Donc, pour quantifier, arpeggio et Idealize, c'est top. Avec un petit écran qu'on va voir ici. Au niveau connectique, ici on a l'USB, MIDI, on peut brancher une pédale. Et voilà, c'est tout. Il doit s'alimenter à mon avis en MIDI. Alors ce qui était aussi inclus dans la boîte, c'était donc le petit livret qui allait avec, précaution d'emploi, tout ça. Des étiquettes, des petites gommettes, voilà. Blanches et noires. Et sinon, voilà, la petite jaquette avec le site internet et le mot de passe pour avoir aussi des logiciels qui vont avec les plugins. Il y avait ici également le câble MIDI USB, voilà, d'une assez bonne longueur, en moins je dirais 1m50. Voilà, allez, c'est tout pour cette vidéo. Allez, à bientôt, au revoir. Et me voilà prêt à composer.